Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Nous revoici au même endroit là où on a terminé la vidéo la dernière fois pour faire une petite introduction. Du coup, là vous allez voir la deuxième partie du vlog à San Pedro de Atacama et ça commence au jour 4. Voilà, donc on a déjà fait tout plein de choses avant et là on commence au jour 4. Et puis c'est tout, je vous laisse du coup avec les magnifiques images du désert. Nouvelle journée à San Pedro de Atacama. Aujourd'hui, on va voir le Magic Bus. C'est un bus abandonné, un peu le même style que l'avion abandonné en Islande. Parce que là, c'est un bus et c'est dans le désert. Et on a fait à peu près, je pense, une trentaine de kilomètres sur une piste non entretenue. Ça a secoué, mais la voiture a survécu. Et là, on a dû laisser la voiture parce qu'il y avait un panneau interdiction. En mode, ils sont en train de restaurer un peu la vallée. Du coup, on continue à pied. Et on n'a aucune idée de combien de temps ça va nous prendre d'arriver jusqu'au Magic Bus. Mais c'est l'aventure. Vous voyez, on est vraiment les seuls. Il n'y a vraiment personne. Et c'est très fun. Je vais en profiter pour vous raconter un peu ce qu'on a fait hier. Ok, on a fait trois trucs. On a fait d'abord les lagunes où on a pu se baigner. Ensuite, on allait voir un site archéologique d'anciennes maisons, des ruines de maisons, qui s'appelle Aldea de Tulor. Et ensuite, on a fait la Pucara de Quitor. Là, c'était aussi une randonnée avec une superbe vue en haut. Et le soir, on est allé voir les étoiles. Donc là, on a fait une visite guidée de 3 heures avec un guide en français. C'était top. Vraiment, les explications étaient tip top. Le mec, on sait qu'il s'y connaît. On a vu les étoiles à l'œil nu. Et en fait, on a vu avec des télescopes. Apparemment, le mec a le plus grand télescope d'Amérique du Sud. Vraiment, truc de ouf. Du coup, on a pu observer avec les télescopes. Et j'ai pris quelques photos, donc c'est mes premières photos d'astro, mais contente du résultat quand même, pour une première fois. Et nous voici le lendemain, en train de faire une magnifique randonnée au milieu du désert. We stood and looked out at the colors in the sky ran wild. In that moment, I felt like I was seeing through the eyes of a child. Cause time won't wait for us, it fades away so fast. And soon these days will pass, so make these moments last. Et bien voilà, on a trouvé le bus, notre marche a servi. Donc là on est sur le chemin du retour. Finalement c'était seulement 3 km depuis la voiture. Donc en soi ça va. Mais quand on marche dans l'inconnu, on sait jamais où est-ce qu'on va arriver. Mais on l'a fait, on a trouvé le bus. Et en plus on était tout seul, il n'y avait personne. Donc vraiment, les rois du monde quoi. Vous voyez derrière là. C'est incroyable. C'est très très stylé. Enfin bref, là on est sur le chemin du retour pour retrouver la voiture. Time is precious gift.
aujourd'hui, grosse excursion toute la journée. On est parti à 6h ce matin. Là, il est 15h. On est toujours en excursion. On est avec un tour. Donc, c'est tout est organisé. On a fait le sud de San Pedro de Atacama pour aller voir les Piedras Rojas, pierres rouges. Très, très stylé. Comme vous avez vu, c'est vraiment un autre monde. Et ensuite, on a vu d'autres lagunes. Et là, on est donc dans le Salar de Atacama. Et en gros, c'est que du sel là. Ce qu'on voit, c'est un peu de la terre et du ciel. Et là, il y a littéralement des flamants roses derrière moi. Voilà, c'est extrêmement stylé. Par contre, aujourd'hui, on est passé vraiment de très très froid à très très chaud. C'est la température dans le désert, elle change tout le temps. C'est comme ça. Mais bon, c'est très très cool. Arrivé au Geyser del Tapio. C'est environ à 2h de route. La route c'était un enfer. Mais bon, on a réussi. We made it. Et là en fait, on est sur le site donc Geyser del Tapio et c'est le cœur d'un volcan. Et en gros, la lave qui est sous terre chauffe l'eau qui est aussi sous terre et fait remonter tout ça à la surface et l'eau sort à 85 degrés. Donc c'est pour ça qu'il y a de la vapeur, c'est ultra chaud. On n'a pas le droit d'aller du coup en dehors des pierres là, parce que c'est hyper dangereux. Apparemment, il y a déjà eu des blessés, donc ne nous aventurons pas en dehors des sentiers. Mais en vrai, c'est archi stylé. Et en fait, le phénomène, il se passe que le matin. Alors, je sais pas trop pourquoi, mais en gros, à partir de 9h30, ça commence vraiment à baisser. Et le site ferme à 11h, parce qu'il n'y a plus rien à voir en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est levé archi tôt. On est arrivé quand même après tout le convoi de bus tour. Et ça reste extrêmement stylé. Se baigner dans des terres naturelles.